Mes amis, je vous souhaite un bon début de journée. Je vous demande tout de suite de vérifier si vos téléphones cellulaires sont bien fermés. À chaque fois, on se fait jouer des tours, on pense qu'ils le sont. Ils ne le sont pas. Et ils sonnent pendant la célébration. Alors, pour assurer un bon climat de prière ce matin, vérifions si nos téléphones sont bien fermés. J'oublie moi-même des fois. Nous commençons bien sûr une semaine tout à fait spéciale. En fait, c'est une seule et même longue célébration qui commence ce matin puis qui va se conclure au matin de Pâques par la célébration du mystère pascal. Nous marchons sur les pas de Jésus dans les derniers jours de sa vie. Et le premier épisode de cette célébration, ce matin, nous plonge dans la joie des gens à Jérusalem qui ont vu arriver Jésus. Ils avaient entendu parler de lui, qui venait de la partie nord du pays, de la Galilée. Et ils étaient tout joyeux de l'accueillir parce qu'il avait fait des grandes choses. Il avait une forte popularité. Et pourtant, on sait que quelques jours plus tard, ils vont le condamner à mort. Rappelons-nous cet événement en bénissant les rameaux. Je vais vous demander deux choses. D'abord, les gens qui sont sur le bord de l'allée centrale, je vous invite à sortir avec votre grand rameau dans l'allée centrale. Levez-vous et venez dans l'allée centrale. Et tout le monde va se lever. Montrez-moi vos rameaux, que je les vois bien. Agitez-les un peu. On va pratiquer, oui. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi, Seigneur Dieu. Exauce en ta bonté les prières de ceux et celles qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Puissions-nous, par nos œuvres bonnes, porter en lui du fruit à ta gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous raconte comment ça s'est passé ce jour-là, quand il est entré à Jérusalem. C'est la version de Saint Marc. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et il leur dit, « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent donc, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Qu'avez-vous à détacher cet âne ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient! » Celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Levez-vous, portez éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Dans l'Ancien Testament, il y a quatre textes qui décrivent la venue d'un serviteur qui va connaître des grandes souffrances, qui va devoir traverser donc des épreuves pour aller jusqu'au bout de la mission que Dieu lui a confiée. Et Jésus connaissait bien ces quatre textes-là qui viennent du prophète Isaïe. Il les connaissait par cœur, puis il les a sûrement médités souvent, et à la fin de sa vie en particulier. On va écouter un de ces textes-là, puis je vous annonce tout de suite que, et dans cette lecture, et dans la lecture de la Passion tantôt, on va retrouver des gestes qui nous sont familiers. Depuis le début du carême, on a marqué nos cinq sens. On s'est rappelé que dans la liturgie, ou la liturgie, fait appel à nos sens. On va s'en rappeler pendant les lectures, on va marquer de nouveau nos sens, plus modestement que pendant le carême. Mais déjà dans la première lecture, ça va paraître. Je vous guiderai à ce moment-là. Écoutons d'abord Isaïe. Extrait du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. On se lève. On s'est dit pendant le carême qu'on voulait consacrer nos oreilles au Seigneur. On voulait écouter sa parole, on voulait écouter les autres. On se rend compte que dans la liturgie, par les lectures, par les chants et autres, le Seigneur nous rentre dedans par les oreilles. Alors, avec moi, je vous invite à faire un signe de croix sur chacune de vos deux oreilles. On s'assoit et on écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et
sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Saint Paul a été bouleversé par l'humilité de Jésus. Il disait, « Hey, ce gars-là qui est fils de Dieu s'abaisse au point de se laisser tuer, de se laisser exécuter sur le bois de la croix, tout ça pour révéler l'amour du Père. » Alors, il confie son admiration aux Philippiens. On écoute. Extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Rendu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et en enfer, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparons-nous à écouter la parole de la Passion en chantant.
invite d'abord à vous asseoir. On le sait, la lecture de la Passion est longue, mais ça vaut la peine de bien la lire et d'y participer. Vous-même, vous êtes invité à plonger dans cette lecture et à répondre quand vous voyez une réplique qui commence par la lettre F, ça veut dire la foule. J'aimerais ça vous entendre répondre vigoureusement. À 4h30 hier, c'était un peu tranquille. On peut faire mieux que ça, je pense, ce matin. À certains moments, je vous inviterai à vous lever et on signera les 4 autres sens qui ne l'ont pas été encore. Voici donc la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. On se lève. Vous étiez un peu surpris pendant le carême quand je vous ai dit que la liturgie faisait appel à l'odorat, par l'encens, par des fleurs, par le parfum qu'il y a dans l'huile du Saint-Crème. On voit dans la vie de Jésus comment le parfum est important. D'abord, quand il est mort, des femmes ont apporté des parfums pour l'ensevelissement de son corps. Et voici que dans l'Évangile, une autre femme vient verser du parfum sur sa tête, parfum de grande valeur. Nous autres aussi, on s'est dit que notre nez devait servir à répandre le royaume de Dieu en donnant un parfum, en faisant sentir quelque chose de bon, une odeur, en ne faisant jamais le nez sur quelqu'un. Simplement, faisons un signe de croix sur notre nez. On s'assoit. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout, comme Jésus leur avait dit, et ils préparent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis,
L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient, « Serait-ce moi? » Il leur dit, « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » On se lève. Dieu s'est fait nourriture. On se rappelle que pendant le carême, on s'est interrogé là-dessus. Le sens du goût est important. C'est une belle façon de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. On lui fait manger ou boire quelque chose de bon. Le Seigneur passe par là pour entrer au plus creux de nous-mêmes. Il se fait nourriture et boisson, pain et vin de l'Eucharistie. Traçons sur notre bouche le signe de la croix. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tomba à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormi. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et il leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. »
Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas s'approcha de Jésus, lui dit « Hey, salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et n'en trouvant pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. « Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, hey, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit à nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là disaient à leur tour, alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea.
Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, c'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâcha un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui-ci, celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » Mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant entendre contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant, il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. On se lève. Jésus est livré à la vue du peuple. Il y a une couronne d'épines sur la tête, il saigne, on lui a mis un manteau pourpre pour rire de lui. La vue, c'est important dans la liturgie aussi. Il se donne à voir des gestes, des objets, des accessoires, des éclairages. Le Seigneur nous rejoint par la vue. Nous avons voulu lui consacrer notre vue, nos yeux, notre regard pendant le carême. Traçons sur nos yeux, sur chacun de nos deux yeux, un signe de croix. Puis, de là, il l'emmène pour le crucifier. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie. Puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « le roi des Juifs ». Alors lui, il crucifie deux bandits avec lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, de même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient.
Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani! » Ce qui veut se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attends, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. On se met à genoux. On se lève et on reste debout. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observait de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Le Seigneur est déposé entre les mains de Marie. Vous avez sans doute déjà vu cette photo, ou vous l'avez vue peut-être quand vous êtes allé à Rome, à l'entrée de la basilique Saint-Pierre. La sculpture de Michel-Ange, qu'on appelle la Pietà, c'est Marie, au pied de la croix, qui reçoit le corps de son fils. Le Seigneur est déposé entre nos mains. Suivre Jésus, marcher dans ses pas, ça se fait aussi par le toucher. C'est très présent dans les sacrements. Traçons sur chacune de nos mains le signe de la croix pour consacrer nos mains au Seigneur. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. On peut s'asseoir.
ne vous ferai pas d'homélie, je vais vous faire une suggestion. On prend quelques instants pour penser à tous ceux et celles qu'on connaît qui vivent la passion à cause d'épreuves multiples, épreuves de santé peut-être, faillite financière, difficultés familiales, complexes personnels, peu importe. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au-delà de la mort violente de Jésus et des atrocités qui ont été commises ce jour-là, il y a une immense tendresse. Il y a un amour qui se dit, l'amour infini de Dieu notre Père. En toute confiance, adressons-lui notre prière pour l'Église et pour nos frères et sœurs partout dans le monde. Et nous disons, Seigneur, viens à notre aide. Pour les personnes qui se préparent à vivre leur baptême le jour de Pâques, afin que l'amour de Dieu habite leur cœur et les éclaire de sa lumière, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les gens qui s'éveillent à la foi et désirent rencontrer le Christ, afin que des témoins les accompagnent et les conduisent à la liberté des enfants de Dieu, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les femmes et les hommes éprouvés par la pauvreté, la maladie ou la violence sous toutes ses formes, afin qu'ils trouvent le soutien pour parvenir à des jours meilleurs, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les chefs d'État, afin qu'ils sachent faire preuve d'audace et de créativité pour trouver des voies de réconciliation et assurer la paix dans le monde, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils vivent les célébrations de la Semaine Sainte comme de véritables rencontres avec le Christ ressuscité, prions. Seigneur, viens à notre aide. Et toutes ces demandes là, qui viennent de la communauté que nous écrivons, de semaine en semaine, dans notre livre, nous les déposons, ces intentions, sur l'autel du Seigneur. Père infiniment bon, tu as envoyé ton Fils Jésus manifester ta bienveillance envers toute l'humanité. Écoute notre prière et exauce-la en ces jours où nous commémorons la mort et la résurrection de celui par qui nous recevons ton salut, lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. On va s'asseoir et recueillir nos offrandes. Thank you.
messe de ce matin est offerte pour M. Gaétan Lalonde et pour Mme Bertha Stroub-Panet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, c'est juste et c'est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner comme un criminel. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et tous les vivants, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, puis le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, après le repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce, puis passa la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » On se lève et on chante. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Et nous te remercions parce que tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Redites après moi, Hosanna, Seigneur! Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la justice et dans la charité, en union avec nos pasteurs, François, Christian et tous les autres qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Hosanna, Seigneur! Hosanna, Seigneur! Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Mère de Dieu, son époux Joseph, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Hosanna, Seigneur! Hosanna. Continuez donc à agiter les rameaux en disant avec moi, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va changer de rameau. Vous déposez ceux-là. On a deux rameaux portatifs qu'on a toujours avec nous, comme deux palmes toujours prêtes à se tendre vers le Seigneur, surtout quand on a à lui dire les mots de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous es présent pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On se tourne vers le voisin et la voisine, on lui dit que la paix soit avec toi, puis bonne semaine sainte. Que la paix soit avec vous deux, bonne semaine sainte ensemble. Que la paix soit avec toi, bonne semaine sainte. Que la paix soit avec toi, bonne semaine sainte. Que la paix soit avec toi et toute ta famille. Et toi aussi, Raphaël, que la paix soit avec toi. Les invités au repas des noces de l'agneau. Et voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
nous apportait en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez pris bonne note, j'espère, de l'horaire des jours saints. Jeudi, c'est à 7h30 du soir. Vendredi, à 3h. Samedi, il faut attendre que le soleil se couche pour faire une vraie veillée pascale. C'est à 8h. C'est une veillée, hein? Fait que ça va s'étendre de 8h à 9h30, 10h. Mais ça va être très animé, spectaculaire. Je pense que vous aimerez revoir toute l'histoire de la rencontre de Dieu depuis, avec nous depuis la création jusqu'à la résurrection. Alors, bienvenue. Dimanche matin, 3 célébrations, c'est-à-dire, il y en a une dehors à 7h avec nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes, les luthériens, les presbytériens, les anglicans, les orthodoxes, etc. Petite célébration d'une demi-heure avec un café enrichi après ça. J'ai acheté l'enrichissement cette semaine. Cette année, c'est un petit brandy. Pourquoi pas? Et les messes dimanche prochain, là, pour nous les catholiques, il y en a deux, 9h et 11h. Alors, fiez-vous pas à l'horaire habituel, là, parce qu'on attend plus de monde. Je pense que ça va prendre deux célébrations. C'était le cas l'an dernier, puis je n'avais pas regretté d'en avoir mis deux. Ça va? Jeudi soir, après l'office, l'église reste ouverte avec le reposoir pour prier jusqu'à minuit si on veut. Ça va aussi? Voilà. Le secrétariat sera fermé à partir de mercredi à 4 heures. On va ouvrir mardi la semaine suivante aux heures habituelles. Il restait quelques exemplaires de mon livre. C'est Samia. Où es-tu, Samia? Je te perds dans la foule. Elle est là. Si vous voulez vous en procurer, c'est la dernière chance après ça. Vous vous adresserez à des librairies où je vous donnerai le lien pour rejoindre Samia, qui a elle-même une librairie, Théologia. Alors, je vous mettrai ça sur l'infolettre cette semaine. Alors, vous vous adresserez à Samia ou à d'autres librairies, si vous voulez vous en procurer d'autres. Je n'ai pas envie de vendre des livres tous les dimanches. C'est déjà deux dimanches de suite. Je suis surpris du nombre, là. Alors, tant mieux. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours.
Il reste un geste à poser pour lancer cette semaine sainte. J'avais perdu mon micro. Maintenant, je peux vous dire, allez dans la paix, dans la joie du Christ. Bonne semaine sainte, j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt.